Bonjour, je vais vous faire un petit cours d'abdos ce matin. Donc, on y va. Vous êtes prêts? Allez, on s'allonge. On bascule le bassin, on plaque les lombaires. Main derrière les cervicales, écartez les coudes. Let's go. Allez, on va partir sur deux temps. Soufflez en montant. Gardez bien vos coudes, encore. Pensez à bien creuser votre ventre. Allez, on décolle. Allez. On part en single. Pensez à bien contracter. On imagine qu'on rapproche ses côtes de ses hanches. Ok? Encore. Soufflez bien, encore. On descend deux. On remonte deux. Vous pouvez allonger si vous voulez les bras. Ou sinon, gardez les mains pour l'instant derrière vos cervicales. Ah. Sur sa contraction maxi. Allez, on part en single. Allez, on essaie de décoller. Si vous avez mal au cervical, vous gardez vos mains derrière, bien sûr. Hein. Restez en haut. Allez, si vous voulez, allongez et on fait les petits. Encore. Rapprochez, rapprochez. Encore. Encore. On fait une petite dernière, allez. Ok. On monte les jambes en chaise renversée. Main derrière le cervical. Écartez vos coudes. On va ramener, rapprocher, buste. Vers vos cuisses. Ok, allez, c'est parti. On souffle en montant, on inspire en descendant. On travaille sur le grand droit et le bas de l'abdomen. Encore. Soufflez bien. Encore, allez. Encore. Montez sur deux. Descendez sur deux. Ramenez bien vos genoux. On souffle en montant. On inspire en descendant. Allez. Single. On rapproche bien ses côtes de ses hanches. Si vous voulez allonger les bras, sinon, vous gardez les mains derrière vos cervicales. Creusez votre ventre. On ramoche, on rapproche les côtes de ses hanches. On reste. Petite contraction. Posez la tête. Allez. On descend doucement. Bas du ventre.
En souffle en montant, en inspire en descendant. Installez-vous confortablement, creusez votre ventre, serrez le bas du ventre, on décolle fessier et on revient tout doucement. Vous descendez jusqu'où vous pouvez sans que ça vous tire sur le bas du dos. Allez. Let's go. Single. Souffle en montant, inspire en descendant. On décolle un peu le bassin, on décolle le fessier. On attaque le bas du ventre, transverse et périnée, bien contracté. Creusez le bas de l'abdomen. Allez, très important pour nous les femmes, bas de l'abdomen. Encore. Restez un petit peu en haut, petite contraction en haut. Allez. Encore une. Allez, single. Poussez. Soufflez. Creusez votre ventre. Engagez le centre du corps. Bloquez pas la respiration. On essaye de décoller un petit peu. Allez. Allez, dernière série. On y va pour deux temps. On souffle. Descendez le plus bas possible. Il faut que vous sentiez bien le bas de l'abdomen. Soufflez bien. Souffle en montant. Inspire en descendant. Attention, on va partir. Après, single. Allez, décollez. C'est parti. Ça va être les dernières séries. Allez. Encore, soufflez. Allez. Décollez, décollez. Poussez vers le haut. Restez en haut. Allez, petite contraction. On décolle. Allez, avec la contraction du bas de l'abdomen, transverse et périnée, on décolle fessier, on décolle bassin. Soufflez bien. Allez, encore une petite, allez. Allez, on fait une petite dernière pour la route. Et les jambes en chaise renversée. On alterne la droite et la gauche. On souffle, on ne bloque pas la respiration. Vous ramenez bien vos jambes en chaise renversée. Tirez sur vos poings, tirez sur vos jambes. Encore. Allez. Descendez le plus bas possible que vous puissiez sans creuser votre dos. Allez. Soufflez bien. Ramenez bien vos jambes en chaise renversée. Tirez le bas de l'abdomen, tirez sur vos poings, tirez sur vos jambes. Engagez le centre du corps. Allez, encore. Allez, on en fait encore une petite. Allez. La derrière, coup de genou. Doucement, pas trop vite. On travaille en chaîne croisée, bas du ventre, oblique et le grand droit. On souffle, on ne bloque pas la respiration. Soufflez bien. Encore. Encore une petite série, allez.
tape. Hop, hop. Allez, descendez la jambe. Là, on stabilise le bassin. On se concentre sur la jambe. Tout monte et descend. Le bassin reste fixe. Et vous repartez. Allez-y. Le genou. Encore. Encore. Encore une. On pose, allez. Encore. Attention, on reprend. Allez, dernière série. Encore. Encore une, allez. Comme d'habitude, toujours une petite dernière pour la route. Allez. 6, 7, et 8. On souffle. Alors, venez vous mettre sur le côté. Vous croisez les jambes. Alors, pour les débutants, vous pouvez rester sur les genoux, comme ceci. Et là, on travaille en dynamique. Et pour les habitués, jambes tendues, main ici, et on part. Allez, on travaille les latéraux. Encore. Encore. Encore, allez, courage. On reste en statique. Bougez plus. Encore. Soufflez, relâchez. Nous allons changer de côté. En appui. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, soit sur les genoux, comme ceci, ou jambes tendues. OK? Main le long du corps. Et là, on va démarrer. 6, 7, let's go. Et encore. Allez. On reste en bloc, statique. Encore. Pensez à bien aligner. Tête, buste, bras et jambes. Allez, encore un petit peu. Soufflez, relâchez. Allez, tirez un petit instant si vous avez besoin. Et pour terminer, on va faire le gainage ventral. Vous allez vous mettre sur vos avant-bras. On va tendre les deux jambes. On serre les abdos. Et c'est parti. On maintient. Soufflez bien. Vous pouvez maintenir en 30 secondes. Pour les débutants, 45, voire 1 minute. Vous restez tant que vous pouvez maintenir votre posture. Allez, gainage très important. Encore, maintenant. Soufflez bien.
Si vous pouvez tenir que 15 minutes, 15 secondes, vous tenez 15 secondes. Voilà, on fait en fonction de soi. Ça peut être 15, 30, 45, voire une minute, et après un peu plus quand on a l'habitude. Prochaine fois, on prendra le chronomètre. Voilà, comme ça, je vous donnerai le top départ. Allez, on maintient encore un petit peu. Encore, allez. Ok, ça ira pour aujourd'hui. Étirez. Soufflez bien. Allez, tirez un petit peu votre dos. Avancez les jambes devant. Étirez un petit peu. Avant la cuisse. De l'autre côté. Petit étirement de fin de séance, bien entendu. Voilà. Vous revenez ici. Là. Tirez la sangle abdominale. Tirez sur vos. L'avant de vos cuisses, vous pouvez, et vos abdos, les mains derrière, sur les talons, ou sur vos fessiers, ou sur vos cuisses. Tirez bien. Posez les mains, poussez les fessiers vers haut. Étirez bas du dos, fessiers ischio, rondé, tendons d'Achille. On ramène tout doucement ses mains. Relâchez bien la tête, les épaules et le dos. Étirement à chaque fin de séance, très très important. Ça permet de relâcher vos muscles et éviter les courbatures. Poussez vos genoux, déroulez votre dos. On revient tout doucement. Allez-y, on lève les bras vers le ciel. On étire. La sangle abdominale. On souffle à droite. Tirez bien. Souffle à gauche. N'oubliez pas, échauffement, étirement, très important dans le corps d'une séance. C'est vraiment primordial. On souffle. Encore une fois. Et relâchez, soufflez. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt.